tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Supérette. Léa qui est juste là et qui se cache comme toujours. Aujourd'hui, on va vous apprendre à coudre un petit sweat à capuche, poche kangourou. Si jamais vous avez envie de coudre un sweat sans faire la poche kangourou, vous pouvez vous servir de ce tuto. Hein. Faudra juste zapper les étapes de la poche. Mais nous, on a décidé de faire une poche qui traverse toute la poitrine. Vous pouvez décider de la hauteur. Nous, on l'a faite à peu près à ce niveau. Si vous la voulez plus basse ou plus haute, c'est vous qui choisissez. Peut-être qu'on vous conseillerait, nous, de la faire un petit peu plus basse parce que la nôtre se retrouve au niveau de la manchure. Et du coup, ça fait pas mal d'épaisseur à ce niveau-là. Et ça gondole peut-être un petit peu. Voilà. On fait des gros bisous à Kevin qui a posé pour nous dans la vidéo. Il avait déjà posé pour nous dans la vidéo du boxer. Donc si vous avez envie de le voir un petit peu torse nu, n'hésitez pas à y aller. Pervers. Non, mais bon, c'est vrai. Et le tissu qu'on a utilisé vient de chez Pretty Mercery. Alors c'est un sweat kaki super doux. En fait, Pretty Mercery doivent avoir des doigts de fée. Genre tous leurs tissus sont de super bonne qualité. Même c'est un sweat les gars, tu vois. Genre c'est un sweat, c'est pas le tissu le plus ouf du monde. Et pourtant, genre j'ai envie de dormir avec tellement ce tissu est agréable. Et en fait, c'est pas du tout de la magie. On a appris que les petits gens derrière Pretty Mercery se déplacent eux-mêmes pour toucher le tissu qu'ils vont acheter. Et du coup, c'est vraiment de la bonne qualité. On ne dit pas ça juste pour leur faire plaisir. Et on vous invite à aller voir leur boutique en ligne qui est en plus de ça super jolie, super ergonomique. On adore leurs photos et on leur fait des gros bisous aussi. Le seul petit truc où on a vraiment galéré, on vous conseille d'y aller mollo, c'est la surpiqûre de la poche kangourou. On vous conseille d'utiliser du thermocollant pour que le sweat ne glisse pas et que votre couture soit bien droite. Dans tous les cas, on vous conseille de prendre un repère sur la machine et d'aller le plus doucement possible. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue sur Hello Supérette. Si vous n'avez pas deviné, on est une chaîne de couture et on poste une vidéo chaque semaine. Si vous voulez rater aucune vidéo, il vaut mieux s'abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications. Et en attendant, on vous laisse avec le tuto. Et du coup, pour réaliser ce sweat, il vous faudra environ 2 mètres de tissu sweat, un pull à vous qui vous va bien, ou alors nous on l'a fait avec un t-shirt, c'est bien la preuve que c'est possible si on rajoute quelques centimètres pour l'aisance, un zip de 25-30 cm environ, un petit cordon et des œillets. Alors en premier, on vient se servir de notre pull de référence pour découper un devant et un dos, et on fait bien attention de rajouter quelques centimètres en bas, même si vous ne le voulez pas oversize comme nous, c'est important de rajouter quelques centimètres pour la poche kangourou, vous comprendrez plus tard. Vous découpez également deux manches en vous servant de votre pull comme modèle. Si jamais vous savez pas comment faire, on a plein de vidéos qui montrent ça, la vidéo du hoodie qu'on vous laisse dans le petit i là-haut. Du coup, si vous avez bien géré, vous avez un dos, un devant un petit peu plus long que votre pull de référence, et deux manches. Avant de passer à l'assemblage, on va créer la poche kangourou sur le devant. Pour ça, il faut déterminer l'endroit où on veut la poche kangourou, nous on voulait qu'elle tombe au milieu de la poitrine, du coup on vient marquer une ligne imaginaire et on va découper notre devant sur toute la longueur, 4 cm en dessous de cette ligne. À ce moment là, comme votre zip sera forcément plus petit que la largeur de votre devant, vous prenez deux chutes de tissu de sorte à venir combler ces deux petits espaces. On vient les assembler aux extrémités du zip, endroit contre endroit. Au moment où on pique dans les dents du zip, on fait bien attention, on y va à la main pour ne pas péter l'aiguille. On vient redécouper nos bandes de tissu de la même largeur que notre zip, pour avoir un truc bien propre. Et ensuite, on va venir assembler notre zip endroit contre endroit avec la partie haut de notre devant. On utilise un point extensible à cette étape de l'opération pour que notre pull conserve des coutures résistantes et élastiques. Qu'est-ce qu'on se marre ? Donc un point overlock ou un point zigzag, et on utilise aussi un pied de biche spécial fermeture pour pouvoir piquer relativement près de cette dernière. Quand la tirade du zip vous gêne, vous laissez l'aiguille plantée dans le tissu et vous levez le pied et vous l'envoyez balader pour plus qu'elle vous gêne. Une fois que c'est assemblé avec le haut du devant, vous pouvez découper ce qui dépasse. Et on va venir l'assembler exactement de la même manière avec le bas, donc toujours endroit contre endroit. Avec un point élastique. Une fois que tout ça est assemblé, vous l'avez sans doute remarqué dans l'intro, on va venir créer une espèce de petit repli qui va cacher tout notre zip. Donc comme notre repli fait 3 cm, on va venir marquer avec des épingles une ligne à 3 cm au-dessus de notre zip. Donc ça, ce sera le bord de notre repli. Et du coup, on vient rabattre le haut de notre devant sur le zip en se servant des épingles comme repère. Quand on est sûr que tout est bien aligné, on peut réépingler pour que ça tienne bien. Et avant de passer à la couture, on va venir découper un carré de la taille de notre zip qu'on vient épingler sur l'envers de notre devant au niveau de la valeur de couture supérieure du zip, celle d'en haut quoi. Et en fait, le trick, ça va être de venir surpiquer notre repli dans la valeur de couture supérieure de notre zip, tout en piquant le carré qui est en fait le fond de poche de notre poche kangourou. Waouh, mais quelle ingéniosité. Oh.
Cette partie est un petit peu galère. D'ailleurs, on nous voit le coudre sur l'envers. Du coup, on a décousu et on a resurpiqué avec l'endroit face à nous et c'était beaucoup plus propre. Ensuite, on va venir tout bêtement surpiquer le fond de poche pour créer la poche kangourou. Donc, on épingle tout ça pour que ça reste bien à plat. Et on fait des jolis angles droits. Et le devant, c'est bientôt fini. Et comme on a créé cette poche kangourou, on est venu un peu décaler toute notre découpe. C'est pour ça qu'on vous a conseillé de rajouter quelques centimètres en bas au niveau de la découpe de vos pièces. Et du coup, pour corriger tout ça, on vient se servir de notre dos pour redécouper notre devant et obtenir des jolies emmanchures. Voilà. Allez, on passe à l'assemblage tout basique du pull. Et si vous suivez nos vidéos, vous avez vu sans doute ça une dizaine de fois. Du coup, on vous laisse encore une vidéo où c'est expliqué en détail juste ici. Le seul truc qu'on a fait, c'est rajouter une fausse couture au niveau du haut des manches pour un espèce de parti pris artistique, structuré, un petit peu street, urbain, tout ça, complètement déjanté. Et ensuite, on passe à la capuche et pour ça, on vient d'abord mesurer le tour de notre encolure et on retient ce chiffre. Ensuite, on vient plier le tissu qui nous reste en 4. En partant du coin du côté où il y a les deux plis, vous mesurez 42 cm, vous découpez une ligne droite à partir de cette marque. Ensuite, vous prenez le tour de l'encolure et vous divisez par 2, vous ajoutez 2 cm et vous faites une marque avec le chiffre obtenu sur le bas de votre capuche. Et ensuite, il suffit de rejoindre la marque du bas de votre capuche vers le haut de la capuche en formant une courbe pour donner une forme de capuche à votre capuche. Vous dépliez toute votre capuche et vous la repliez en deux de sorte à faire correspondre chaque courbe face à face et vous les assemblez toujours avec un point élastique. Ensuite, vous faites correspondre les deux coutures, vous secouez un peu et la capuche devrait prendre forme naturellement sous vos yeux. On est venu placer deux épingles pour l'emplacement de nos œillets. On a posé hors caméra parce que c'est assez simple à faire. Et on va venir surpiquer à 3-4 cm le devant de notre capuche pour créer la gouttière dans laquelle on enfilera le petit cordon. Je sais pas pourquoi je dis cordon avec un accent espagnol, je peux pas me retenir. On vient enfin assembler notre capuche sur l'endroit de notre suite. On fait correspondre les coutures de la capuche avec le dos de notre suite. Et on épingle comme ça jusque sur le devant. Si vous avez un petit peu de surplus comme nous, c'est pas très grave. Vous venez juste superposer les deux pentes de la capuche et vous direz que c'est des faits exprès. Vous assemblez le tout avec un point bien solide et bien élastique. Et pour un petit peu plus de propreté, on est venu surpiquer le tout avec une aiguille jumelée. Une aiguille jumelée dont on s'est également servi pour créer nos ourlets sur le bas de notre pull et le bas de nos manches. On a également fait deux petites fentes sur les côtés en utilisant la technique qu'on vous avait montrée dans cette vidéo. Et on est finalement venu enfiler notre cordon avec une petite épingle à nourrice. Et mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous dire que votre suite à poche kangourou est complètement terminée. Si vous l'avez fait, envoyez-nous des photos pour nous montrer que vous pesez dans le game de la couture. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez vos pouces bleus. Sachez que vous pouvez apprendre à slimmer un jogging en cliquant sur cette vidéo. S'il y en a parmi vous qui veulent faire les petites fouines et qui veulent nous suivre sur Instagram parce qu'on poste des petites cerises de temps en temps, vous pouvez, hein, soyez pas timide. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Comme toutes les semaines, quoi. Bah ouais.